Attention! Les amis, c'est parti! Oh ouais! Et on tape là! Mais non, c'est pas de blague!
j'ai trouvé cette lettre. Écoutez bien ce qu'elle raconte. Ah ouais, ben ouais, c'est ça. C'est avec regret et le cœur gros que je dois quitter le pays. Il est inutile d'essayer de me retenir, même si cela est difficile. Il n'y a plus rien à faire pour moi ici. C'est dans un autre pays que je devrais déménager. Et c'est signé votre ami adoré. Mais là, pour vrai, là, elle est vraiment pas drôle, ta blague, Zaza. Ça, non. Ce n'est vraiment pas ta meilleure. Oh, non. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas une blague. Alors, si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que... Bombay nous quitte. Bombay, t'es là, ça va. C'est une belle journée, hein. Tu trouves pas? Tu es particulièrement ravissante aujourd'hui. Oh, magnifique. Ouais, vraiment une trop belle journée pour aller voir ailleurs si on est là. Ouais. Genre de journée où il vaudrait mieux rester sur place avec ses amis pour la vie. Lundi, mardi. Jupiter! Ribambelle! Allô? Puisque c'est l'été, et que l'été c'est fait pour s'amuser, nous, les Z, on a décidé de préparer une fête! Oui, c'est ça! Mais oui, puisque tu es la plus belle des belles, hein. C'est normal qu'on te célèbre, hein. Allez, ma coquine, c'est à ton tour de te faire gâter. Ah non, non, pas de refus accepté, hein. C'est non négociable. Ah, super. Alors, tu peux retourner chez toi, question de nous laisser un peu de temps pour tout organiser, hein, s'il te plaît. Allez, au revoir. Allez, hop. Mais c'est pas sa fête. Pourquoi la fêter? Je sais pas. C'est ton rendez. Mais c'est très simple, Jupiter, hein? Il faut que Ribambelle se sente aimée et qu'elle sache qu'elle est importante pour nous, pour qu'elle reste avec nous. Tu comprends? Je ne pense pas qu'une petite fête va fonctionner pour la faire changer d'idée. Les fêtes, bon, c'est compliqué à organiser. Ça dure toute la nuit, ça fait énormément de bruit. Je ne veux pas de fête, je n'aime pas ça. C'est pas la fête du fêter! Mais si, Sadie! C'est peut-être la dernière chance qu'on a pour qu'elle reste avec nous! Mais oui! Tu t'imagines le pays de Ribambelle sans Ribambelle? Ah oui! Ouais! On ne peut pas le nommer le pays de pas de Ribambelle! Oui! Ou le pays de plus de Ribambelle! Ou le pays de sans Ribambelle! Mais pas sans l'ensemble de sans. Sans. Ça sent super bon! Ou sans l'ensemble de. Sans. Ah, ça pue! C'est dégueulasse! Ou sans l'ensemble de. Oh, c'est pas fini! Il vous couche un super cadeau juste pour toi! Et ce n'est pas mon nouveau chapeau!
J'ai hâte de voir ça, je suis curieux. Voici un super trône de fête party mix. Alors, juste ici, il y a un parasol pour faire de l'ombre. Et puis, juste ici, il y a un super porte-gobelet avec un verre de barbotine au réjard. Et puis, juste ici, pour te rafraîchir un peu, ce méga ventilo aéro 2000. De toute façon, ça ne se perd pas du temps. C'est pas comme les chaussettes. Allez, ribambelle, là. Alors, tu laisses ton super tronc de fête, ribambelle. Vas-y, attention. Regarde que t'as l'air bien. C'est bien, Zizani, pour tu sais quoi. Pour tu sais quoi. Bah oui, la surprise. La surprise, la surprise, ouais, la surprise. Oh, non. Vas-y, Yuppie. Toi et moi, on pourrait préparer les... Eh? Oh, tu nous entends, ribambelle? Oh, on va s'éloigner un peu. Bonne idée. On va se cacher. Je veux dire, le chat aussi. Oui, attends, je disais que... On pourrait... Mais, quoi? Tu nous entends encore? Oh, bah là, ça va pas, on va plus loin. Vous vous cachez pas, c'est le son. Et moi avons décidé de te préparer ce que tu préfères par-dessus tout, un super tour de magie. Ouais, ben préparer, c'est vraiment un très très grand mot, hein. C'est préparer. Zizani, quoi? Préparation. Allez, ouais, hop, me et ça préparer. Saute. Ouais. Tu vas voir, ribambelle, tu n'en croiras pas tes jolis yeux verts. Oh non, ça pour ne pas le croire, tu ne le croiras pas. Oh, c'est bien vrai. Zizani, chut. Alors, ma chère ribambelle, pour ton seul et unique plaisir, moi, Zinzin le magnifique, et mon assistante Zizani. Merci, mais c'est un peu gênant maintenant, alors continue Zinzin s'il te plaît. Alors, avant d'être interrompu par ma charmante assistante Zizani, moi, Zinzin le magnifique, je ferai disparaître devant tes yeux mon assistante Zizani. Et pouf. Alors, je prends ce joli drap à paillettes rouges et je place mon assistante derrière. Voilà, Zizani. Merci beaucoup, je vais disparaître maintenant. Bon, maintenant je dois prononcer la formule magique, hein. Mais là, les amis, vous allez devoir répéter après moi. Alors, ça va comme suit. Zakabroum. Un zakabroum. Broum, tika broum. Zizani a disparu. Et pouf. Mais Zizani, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est dit que tu avais disparu. Mais tu devais sortir de ce côté-là. Tu devais sortir de ce côté-là. Tu me l'avais pas dit. Tu sais bien que j'ai aucun talent pour la droite et la gauche. Et encore moins pour la magie. C'est n'importe quoi. Mais là, faut que tu penses à Gédéon. Les amis, pas de panique. On a tout ce qu'il faut pour plaire à ribambelle. Vous allez voir, on a préparé la plus belle surprise. Vous allez devoir bouger les épaules avec nous. Est-ce ça que vous voulez bien faire ça? Allez, monsieur, en chimie. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Super. Alors c'est parti, DJ. Allez, hop, tout le monde. C'est la chanson d'Isabelle Boulay. On a besoin des épaules de tout le monde. Elle est sympathique, mais surtout magnifique. C'est une amie extra avec elle, on s'ennuie pas. Oh, oh. Très bien. On n'aime jamais trop. On t'aime trop comme la terre. Dans son pays, les...
qui sont amis. Un, deux, trois, non, on ne s'en passerait pas. Hey, on lui tend la main et on lui chante ce gai refrain. Ce n'est pas la lettre
que j'ai lu. Il ne ressemble pas du tout à ça. Je crois qu'il y a deux parties à la lettre Zinzin. Tu niaises? Mais non, je niaise pas. Je vais vous faire la lecture. Chère Ribambelle, c'est ton ami Farandole qui t'écrit. Farandole? J'ai visité ton pays et je me suis très bien amusée. J'ai visité tout ce qu'il y avait à voir et... Oh, attention, plus encore. Oh, j'ai été très bien reçue par tes amis les aides. Que je salue. Salut Zinzin, je crois que si tu colles la deuxième partie, on va tout comprendre. Ah oui. C'est avec regret et le cœur gros que je dois quitter le pays. Il est inutile d'essayer de me retenir, même si cela est difficile. Il n'y a plus rien à faire pour moi ici. C'est dans un autre pays que je devrais déménager. Et c'est signé votre ami adoré. Tu as Ribambelle. Assez tenté de lecture. Attendez, attendez, ça veut dire que... Ribambelle, tu restes avec nous? Oui. Ça veut dire que tu ne pars plus? Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on a tout fait ça pour rien et qu'on s'est inquiété inutilement. Oui. Eh bien, à voir si. Mais ce n'est pas grave, Jupiter, on s'est quand même bien amusé, bon, n'est-ce pas, les amis? Oui, c'est vrai. Ah, et n'est-ce pas, Zizani? Hey! J'ai une petite... Arrête de rire! J'ai une petite suggestion à te faire, moi, Zinzin. Ah, non. Si c'est pour nous dire que tu avais raison de râler, tu peux parler à maman! Non, c'est pas ça! C'est pas ça du tout que je voulais dire! Je voulais dire qu'on pouvait fêter ce moment en chantant! Jusqu'au 5 septembre. Ne manquez pas ça. Salut les mini-zettes.